J'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement vu ce clip. Je vais tout grind. Comme le panda sur mon bras. Je vais tout grind. Eh oui, tu croyais quoi? Je vais tout grind. Dans la musique ou à table. Je vais tout grind. On ne bégaye pas. Et ça fait kebab pizza. Ah, vous êtes là? Pardon. Bon, celui qui a pas vu le clip, j'invite fortement à aller le voir parce que c'est un gros projet qui me tient à cœur. J'ai enfin fait mon son plus un clip. Et précision, c'est un son qu'on a fait en 3 jours. Je dis bien on parce que forcément je suis pas tout seul, hein. Je suis avec une bonne équipe, à savoir 3 potes à moi, avec qui du coup j'ai pu faire ce projet, hein, un son en 3 jours, avec le clip et tout, c'était vraiment une dinguerie. Bon, du coup, je vais vraiment résumer dans cette vidéo le making-of, à savoir les 3 jours de l'enregistrement du son, hein, soit trouver l'instru, écrire les paroles, enregistrer le son, mixer le son, faire le clip. C'était vraiment une belle aventure. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Je vous trouve en info leur lien, leur Insta, leur YouTube s'il y a. Et puis, du coup, on va commencer par le jour 1. Le jour 1. Pour cela, j'étais avec Léon LC. Donc, moi, c'est Léon. J'ai aidé Alan et j'ai participé sur l'écriture et sur la top line et sur le choix de la prod pour le morceau Je vais tout grind. Et ça ensemble, du coup, sur ce petit défi de réaliser le son en 3 jours. Habituellement, sinon, ben, je fais de la musique depuis une dizaine d'années. J'en fais toujours, mais j'ai d'autres problèmes aujourd'hui. J'ai pas le temps, j'ai mal au crâne et je veux l'argent, mais pas le gagner. Je suis absent, des fois je plane, j'ai plein de projets en retard et je rêve plus tard. Vous pouvez retrouver mes sons et mes clips sur YouTube et à savoir qu'il y a un nouveau son qui va sortir très bientôt. Donc restez connectés. Pour ceux qui ont kiffé le son Je vais tout grind, il y a du nouveau qui arrive. Le gars, je connais, le petit, je crois qu'il bosse avec mon Fianso. Récemment, il a une obstacle là, mais voilà, il est chaud. Il est chaud un peu. J'aime bien la trappe, c'est sur la même chose. Joule quoi. Ah, c'est une jolie petite bite de Joule. Ça, c'est un Allemand qui fait des délires qui bougent un petit peu. Artem. Après, celle-là, elle est quand même assez typée club. Ça peut être un peu dérangeant pour certains trucs. Par contre, niveau prod, il est bon. Ouais, c'est trop DJ, le summer, tu vois. Ouais, c'est ça. Été, après, il y a un petit côté été, c'est peut-être pas la saison pour sortir un morceau comme ça. Ouais. En plein hiver, là. Mais c'est pas mal, franchement, j'aime bien. En attendant, il est chaud, ce mec. Lui, il fait quoi ça, lui? Il a fait des prods. Ouais, mais lui, il a produit un morceau pour PNL. Ouais? Il a fait sur Paname de PNL. Ok. Il est plutôt. On va favoriser. Il est plutôt français, chaud. Quoi, donc Artem. J'aime bien, toi. Rap français, là. Ah, j'aime bien le style là. Tu vas voir le petit pont et le petit passage sur le refrain sur celle-là. Oh oui. Tu vois, juste un petit flow un petit peu répétitif, mais quand même qui a des petites variations, un truc qui envoie un petit peu. Pas trop technique non plus, parce que c'est pas le but du morceau, faut que les gens ils puissent le kiffer. C'est un peu de basse, un peu de. Je sais pas, je connais pas vraiment les techniques des instruments, mais c'est. Après, ce qui est bien en plus, c'est que celle-là. Elle laisse de la place pour la voix, tu vois. Ouais. On peut faire ce qu'on veut dessus. Pas trop rapide, c'est pas trop répétitif, c'est. On va parler dessus, vas-y, tout simplement. Un peu club, un peu trap, un peu, tu vois, en bien sens, c'est pas non plus trop trap ou trop club, voilà, c'est vraiment parfait. Eh bah, c'est parti, on vient par là-dessus. Bon, allez, c'est parti pour faire du yaourt. Du yaourt. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Pourquoi yaourt en fait? Je sais pas, c'est le terme. C'est le terme utilisé pour dire que tu parles dans une langue qui n'existe pas. Ok. C'est quoi ça? Ouais, mais tu verras une fois qu'on va remplacer les nanana par des paroles, ça va donner autre chose. Ok. Moi, parce que les mots clés qui correspondent à ma chaîne, genre, c'est burger, pizza, tacos, kebab. Même ça fait kebab, pizza,
pizza, burger, je sais pas, kebab. Faudrait pizza. Garder le délire du coup de faire la référence au morceau en gardant au moins le délire du carnaval. Et ça fait Zumba, caféo, caféo, carnaval. Ouais, carnaval, ouais, bien sûr. Du coup, faut trouver un truc qui rime avec carnaval et puis après c'est parti. Et le reste. Kebab, pizza, pizza, Boata. Boata. Boata ou. C'est parfait. Ou pizza. Non. Kebab, kebab, burger. Burger, pizza. Ah, il manque un syllabe. Voilà. Le pizza, le kebab café, pizza, ça rend bien. Zumba café, café, carnaval. On a trois. Qu'est-ce que ça fait? Kebab, pizza, pizza. Et ça fait. Et ça fait. On part sur le kebab. Bah, kebab. Ouais. Kebab. Pizza. Yeah. Pizza. Pizza. Burrata. Burrata. Ah, bah, ouais. Je kiffe la burrata, moi. Je suis un fan de burrata. Ah bah j'ai cru voir ça. Je mets un W, Buratao, tu vois. Buratao, je fais un tour du monde culinaire. Je fais un. C'est longtemps que j'ai pas écrit. Hein. Un tour du monde. Ah, c'est plus facile d'écrire sur moi. Hein. Ah, t'es ouf. Culinaire. Tu sais, j'ai grave la dalle. Toi-même, tu sais, je bégaye pas. Même menu du jour pour moi, tu sais, c'est l'apéro. Non, c'est bizarre. Hey, ouais. On bégaye pas, c'est ton gimmick principal. Faut le mettre sur la première phrase. Moi, tu sais, je bégaye pas. Frérot, tu sais qu'on bégaye pas. Ouais, je pourrais manger tout YouTube Game, je pourrais même manger cette gecko. Pas con, ça, ouais. Si elle va le prendre. Hé, Seth, si tu m'entends, prends-le bien. Il va me défoncer, il va rien comprendre. Moi j'y suis pour rien. Ah ouais, je vais faire référence, c'est dit quoi. C'est lui. De quoi c'est. Vas-y, ouais. Ouais, ça. Bon, texte final, après une heure à avoir travaillé ça. Il y a pas mal de rachures, les textes, donc c'est pas grave. Alors, mais la prod de quoi? Tu fais un petit. Capella? Un petit a cappella là, pour tester. C'est compliqué, hein. Trouver les bons sons, les bonnes rythmiques. Ok. Je le goûte. Frérot, tu sais qu'on bégaye pas. L'addition sera salée, le menu du jour. Pour moi, tu sais, ça me fait même pas une entrée. McDo, KFC, BK. Y'a rien pour me rassasier. Je prends le plat direct, pas besoin d'assiette. Les nerfs et l'estomac d'acier. 10 000 calories, tout y est. Les autres clients sont kécho. Je pourrais manger tout YouTube Game. Je pourrais même manger cette Diego. Barlou, pardon. C'est bon, déjà, ça le flow est là. Attends, mais c'est compliqué, hein. C'est très intense, comme c'est ouf. Franchement, on a trouvé l'instru, donc au bout de 4 instrus. La première, deuxième, troisième, j'aimais bien. Un son un peu style hip-hop trap, un peu ambiançante, on va dire. Un peu la Jul, mais c'était pas encore un gros coup de cœur. La quatrième, franchement, là, ça me plaît bien. Un peu style Bosch, Maes, Jul, ça me correspondait bien. Donc là, on a fait ce qu'on appelle le yaourt. Franchement, j'y connaissais pas du tout le monde de la musique. Le yaourt, en gros, c'est nanananana. Pour compter un peu les syllabes. Donc, on a après, par rapport au yaourt, fait le nombre de syllabes qu'il fallait par rapport au son. À savoir le couplet, après refrain, refrain. Enfin, voilà quoi. Et après, j'ai imposé ma thématique, à savoir la food. Avec un peu mon personnage, mes tatouages, le sport. Voilà, mes répliques, genre on bégaye pas, ainsi de suite, je vais tout graille. Et par rapport à ça, du coup, on a fait un son. Donc, on a carrément sans papier des phrases. On a rayé, recommencé, comme vous avez pu voir dans les rushs. Et au final, au bout de 2 heures, on a écrit ce son de 2 minutes 20. Du coup, j'espère que les couplets, les refrains, vous plaisent, que ça correspond vraiment à mon image. On a pu faire, entre guillemets, l'instru, les paroles pour le jour 1. Le jour 2, bah, c'était plutôt l'enregistrement de ma voix. Hein. On a fait du coup plusieurs prises, hein, prise de la voix principale, couplet, pré-refrain, refrain, pont, s'il y a. Ensuite, les bacs, donc vraiment insister sur les derniers mots de chaque phrase. Puis, la musique d'ambiance, donc là où j'ai un peu parlou. On fait comme ça quoi, Peggy 18, c'est un peu drôle. Et puis après, forcément, une fois qu'on a toutes les pistes audio enregistrées, on transmet ça du coup au beau-frère, Bastien, le frère de Charlotte, hein, qui est juste derrière, pour du coup faire le mixage. Donc là, lui qui est dans ce domaine-là, forcément, pour lui, le mixage, c'est un jeu d'enfant quoi. Donc il a mixé un peu ma voix, mettre un peu de reverb, d'autotune s'il y a besoin. Et bien, salut à tous, c'est Bastien. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler du son Je vais tout graille
de Alan. Alors j'ai participé à ce projet sur le mixage et le mastering. Donc juste après avoir écrit les paroles, Alan m'a envoyé en télétravail avec le confinement la musique, donc l'instrumental ainsi que les voix qu'il avait enregistrées. Et donc j'ai effectué au studio le mixage et le mastering de tout ceci. Alors pour moi c'était une première expérience dans ce style de musique hip-hop rap, parce que je fais plutôt dans le classique et dans le métal d'habitude. Donc c'était assez intéressant pour moi de travailler sur ce genre de musique et d'expérimenter des nouvelles méthodes au mixage et au mastering. En tout cas, j'espère que le résultat vous aura plu. Alors si jamais vous voulez suivre ce que je fais un petit peu, j'ai également une chaîne YouTube très modeste, sur laquelle je fais donc de la composition, et je parle un petit peu de tout ce qui est attrait à la musique, à la composition, au mixage. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, Bastien Gussol, tout simplement. Également un Instagram, mais bon, il est pas trop actif, j'essaierai de le reprendre. J'ai également un groupe de métal, métal symphonique, justement, dans lequel je suis batteur, compositeur aussi des parties symphoniques, et également, on va dire, à la technique. Donc le groupe, c'est Résilience. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, bientôt aussi sur YouTube. Et donc n'hésitez pas aussi à l'écouter, ce nouvel album qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps. CBK, y'a rien pour me rassasier, je prends le plat direct. Générer l'estomac d'acier. Je vais tout graille. Comme le panda sur mon bras, je vais tout graille. Et dans ma cuisine, kebab, pizza, pizza, burrata, je fais un tour du monde culinaire. Dans ma cuisine, c'est carnaval, on voit pas d'emoji burger. Je pourrais croquer dans mon écran, je brûle 2000 calories, alors je trouve pas de frigo assez grand. Sors une vidéo football, active le contrôle parental. Si tu m'invites dans ton resto, sache que ça ne sera pas rentable. Un tacos, deux tacos, trois tacos, quatre tacos, menu maxi best of. 5 tacos, 6 tacos, 7 tacos, 8 tacos. Le chef croit qu'on est 22. En vrai j'aurais même pas mal d'eau. Je vais tout graille. Comme le panda sur mon bras, je vais tout graille. Eh hey oui, tu croyais quoi? Je vais tout graille. Dans la musique ou à table, je vais tout graille. On ne bégaye pas. Et ça fait kebab pizza. Donc voilà, donc après ça on a le son final. On a la musique après le jour 2. Tout est enregistré, la fricade est déposée, et après on passe au jour 3, à savoir le clip. Et puis après pour le clip, franchement, en l'espace d'une après-midi, on a tout bâclé, plusieurs prises, plusieurs fois à la même scène, différentes prises de vue, c'était cool. Donc d'ailleurs par rapport au clip, merci à Cognito, parce qu'il était derrière la caméra, merci à sa copine Jade qui a fait des photos, etc. Salut, moi c'est Thibaut alias Cognito, donc j'ai participé sur le projet du morceau Je vais tout graille d'Alan Food, sur tout l'aspect audiovisuel. Donc que ce soit le tournage, le montage, mais aussi les quelques petits effets qu'on peut voir tels que l'apparition furtive de cette gecko, le clonage, enfin tout ça quoi. Pour le tournage, en accord avec Alan, on s'est tourné vers un ami à moi, donc Ali de Tacos Concept, qui a accepté de nous prêter les lieux, mais aussi d'être figurant, voire même acteur on peut dire, qu'on peut voir au début du clip. Mais une fois qu'on avait toutes ces prises là, on s'est rendu compte qu'il manquait quelques prises en fait pour donner un rendu un peu plus caricature, un peu plus délire. Donc on s'est tourné vers les graphes du festival Murmure de Casseville, et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. À ce qui me concerne, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, je poste régulièrement quelques photos. Et sur ce, je vous laisse sur ces dernières images. On a réalisé le clip du coup sur Figeac via le restaurant Tacos Concept. Par rapport à ça, merci à eux parce qu'ils nous ont prêté les lieux. Donc c'est simple, arriver en voiture. Donc forcément en plein Covid, c'était un peu compliqué. Du coup, on a dû se renseigner auprès de la préfecture, faire les autorisations nécessaires. Tout le monde portait le masque, que ce soit moi, du coup la production, les figurants, les gens du tacos. Là-dessus, on était vraiment très pro, très quali, on a tout respecté. Les gestes barrières aussi, pareil, c'était nickel, rien à dire. Pour l'enregistrement du clip, forcément, on a dû bloquer un peu les rues, l'arrivée de la voiture. Cache pas que forcément ma voiture qui est assez à dire tape à l'œil, les abonnés m'ont reconnu direct. D'ailleurs merci à eux parce qu'ils ont respecté entre guillemets l'enregistrement de ce clip. Ça aurait pu être compliqué hein. Alan, non, s'il te plaît, on tourne et tout. Après, merci à eux. Merci aussi aux figurants parce que c'est vrai que le droit à l'image c'est assez compliqué dans le monde de YouTube. Hein. Je suis en vidéo. Bref. Au moins ils ont respecté le thème, ils ont joué le jeu. Donc c'est d'ailleurs merci à eux pour ça. Thank you.
le beau. Bonjour, je vais vous prendre 8 tacos XL, poulet mariné tender cornbread, sauce samouraï, supplément bacon. Quatre à faire ça, c'est cool, gros projet. Et pour finaliser le jour 3, on a toutes les prises. Ça part en montage, et au bout d'une semaine de montage, avec tous les effets, les transitions, même ce clip final qui j'espère vous plaît. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Si le son vous plaît, dites-le moi. Il y aura un son numéro 2, même thématique ou pas, j'en sais rien. Même équipe, sûrement. Enfin voilà quoi, franchement c'est un projet, on essaie de un peu diversifier la chaîne. Hein. Food challenge, découverte de restaurant, dégustation, voiture, maintenant son, je sais pas, on tente. En tout cas, voilà, c'est vraiment un son un peu what the fuck, délire. Voilà, je vais tout graille. Là, vous avez vu la plus de l'album, hein. C'est un burger où il y a marqué je vais tout graille. T-shirt, on bégaye pas. Voilà, c'est vraiment un truc plutôt cool. Donc, je compte sur vous pour partager à fond. Et n'hésitez pas à aller sur les plateformes de streaming aussi, hein. Spotify, Deezer, iTunes, musique, je sais pas quoi. Enfin, voilà, pour voir. Enfin, si vous voulez voir le clip, YouTube. Si vous écoutez le son, bah, plateforme de streaming, hein, logique. Bah, voilà. Bref, voilà, fin de la vidéo, entre guillemets, making of de mon son, de mon clip. Merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo. Franchement, et puis, du coup, au projet aussi. Mais tour à l'info, leur réseau, leur lien. Que ce soit YouTube, internet ou autre, franchement c'était une belle aventure. Ça a duré très peu de temps, en une semaine tout était fait. 3 jours pour le son et le clip, plus le montage, on va dire une semaine. Donc assez court, on va dire, c'était assez intense. Mais bon, au moins, je pense que ça en vaut la peine. Comme d'hab, je vous ai dit tout à l'heure, like et commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Les réseaux sociaux, Insta, Snap, Facebook et TikTok juste en dessous. Puis moi je vous dis à très vite, hein, prochaine vidéo. Surtout, je vais tout graille. Si on met un peu fort, on s'en fout. Sans se bégayez pas. Ciao.